Fait tout dans la forme. Bon, grâce à Dieu, n'a géré bayo là, comprenez, nous vin enjoy nous dans festival créole musique là et puis bon, c'est belle bagaille. Mon cher gars, monde qui voit et ces derniers temps ou très populaire ou très connu dans milieu haïtien, ou sont québécois? Oui, je suis québécois, italien. Italien, mon sont d'origine italienne. Oui, même pas parler non, et créole là que bien maintenant langue. Et pour ça, comment on apprend parler créole? Et bon, je suis grandi dans mi-temps haïtien, Montréal, dans le quartier Saint-Michel. Je suis arrêté justement en bas, quand il y a un haïtien. Et puis, je suis des musiques à frapper. Et puis, je me dis, ouais, ça, c'est une musique que j'aime bien aimer. Je suis tout tombé dans ma musique là, instantanément. Et puis, bon, juste ça, je commence à apprendre les mots que je a dit parce que je ne sais pas qui c'est dans la musique. Vous comprenez ça? Mon accent haïtien, mais vous avez jamais l'Haïti? Bon, je n'ai pas jamais l'Haïti, non, frère. Quel accent, monsieur, quel accent haïtien? Est-ce qu'on connaît un autre étranger qui parle créole aussi? Ou parle plus bien, de toute façon, parle plus bien. Vous connaissez un Amaral Tiblan, monsieur, son brésilien? Où est monsieur sur Internet là? Oui, monsieur. Bon, avec le respect pour monsieur, bon, il a fait fort, moi, monsieur, a bien aimé tout ça. Vous parlez plus bien que monsieur? Je n'ai pas dit ça, non? Non, moi-même, je ne parle plus bien que monsieur. Bon, monsieur, venez toujours, monsieur. Je ne sais pas si monsieur a plus d'années, parce que moi j'ai 24 ans que je tente de compas. Je ne sais pas pour monsieur. Bon, monsieur a venu quand même. Ça passe de prestations anglais à soi, fanatique anglais, oui, fanatique qui jazz qui mène là. Non, moi je suis fanatique tout compas direct depuis ce bon compas là, comprenez. Et anglais ont bien performé. À soi, c'est un balle au bras avec monsieur Dissipio. Je vais bien enjoy là. So. Je vais suivre. Vous êtes fanatique musique haïtienne, à part de musique haïtienne, toujours dans toute balle, et vous parlez créole sur Facebook, tout le monde ouais, tout le monde connaît. Qui l'autre bagaille Haïti fait ou aimer? Qui sont aux pensées d'Haïti de Montréal étant, malgré ou pas vivre dans le pays ou qu'on n'a pas qu'à le pays? Malgré qu'on y a, avec Internet, nous n'avons pas même besoin de voyager pour nous connaître. Ça qui a passé à Haïti, moi, c'est des blocs qui a passé, même moi, je sais. Soit dit, même, soit dit. Comme si, comme je disais ça, c'est pas qu'on bat que nous remet, ouais, mais mon, comme si le peuple n'a pas le choix. C'est ça pour faire non sens pour gouvernement prendre au sérieux parce que mon, pas bon en 2018 que nous pas gagner électricité et l'eau et puis et gouyo, bah, ça on pas comprendre. Même toute fatra qui dans l'arrière, je ne comprends pas pourquoi ça va être des nègres qui investissent dans des camions pour ramasser fatra dans l'arrière. Moi, c'est un bel pays que malheureusement, le gouvernement n'a pas. Je ne veux pas parler trop politique, non, mais. On va bien faire, non. Comme je disais, moi-même, pour ça, moi, dans la télévision, dans Internet, c'est belle bagaille. Tout le temps, c'est belle bagaille. Parce que Haïti est tellement bel pays, malgré que je ne la donne. Moi, sur Internet, qui a un bel nom, un bel monde. On va dire belle bagaille, c'est un peuple qui aime en pile. Très bien. Mon cher Nadou, merci. Nous allons faire cette interview avec Oued des Anglais. Qu'est-ce que là? Et nous allons s'asseoir après les Anglais. Oui. Oued, quel est le problème? Oued, venez non? Oued, venez.